Et lui à tous et à toutes, c'est Bestie, et on se retrouve pour la suite de Offre Absolus de Nack sur PS4, hein, évidemment. Donc tout de suite après le chapitre 8-3, on arrive au chapitre 8-4 et on est dans des grottes à nouveau. Où il y a beaucoup de gobelins, évidemment. Comme c'est bizarre, hein. D'accord, donc là on a... Voilà, des petites reliques. Je regarde... Juste si je regarde juste ma feuille, oui, donc on a bien un seul trésor dans ce chapitre, encore une fois. Donc qui n'est pas très dur, hein, vous allez voir à trouver. Tac, d'accord. Toi tu as des reliques. D'accord. Alors ceux qui ont des reliques sur le dos, donc des caisses, c'est juste pour vous redonner toute votre vie en fait. C'est pas pour vous agrandir, mais... Alors, une ville dans une grotte. Donc, on est dans des... Dans les habitations des gobelins, apparemment. Par contre, je sais pas si vous avez vu, mais le plan d'avant, on aurait vraiment dit que c'était un truc en carton. Enfin, une maquette, plutôt. Putain, j'ai failli me faire toucher. Hop. Alors, je rappelle le but, hein, c'est de trouver un maximum de reliques pour qu'on soit, immense. Donc là, on fait gaffe. On fait gaffe au tuyau. Un nouvel ennemi. Enfin, un nouvel ennemi, non. Hop. J'ai eu un petit peu chaud. Heureusement, le ralenti sert beaucoup, hein, parce que sinon, là, j'étais mort. Tac, tac, tac. Bonjour, mes amis. Alors, j'ai pas envie de me battre avec vous. Donc, voilà. Je récupère des reliquats au passage. Faut quand même que je me souvienne où est le trésor. D'accord. Merde, j'allais oublier les petits machins, là. Tac, alors, bonjour, hop, voilà, toi tu meurs, oula, et toi aussi. De toute façon, même si je regarde pas ma fiche, enfin ma fiche, si je regarde pas mes notes, hein, sur le trésor, de toute façon j'ai le détecteur de trésor qui me permet de tous les voir de toute façon, sauf ceux qui sont vraiment bien cachés. Donc là on fait gaffe, évidemment. Des petites reliques. Ouah, j'ai chaud. Hop, on fait gaffe à l'archer qui est juste derrière. Voilà. Donc le trésor, il est pas encore là. On continue à avancer. Oula. Alors, je sais pas trop ce que j'ai fait. D'accord. Ah putain, bah oui, ça, c'était évident. Faut attendre qu'il tire, voilà, deux salves de trois pour qu'il recharge. Évidemment, je me fais toucher par la dernière bombe. Ah là là, ça c'est un truc qui m'énerve. Toi, tu te tais, va-t'en. C'est vraiment un truc qui m'exaspère dans ce jeu, c'est la hitbox. Hop. Voilà, c'est assez facile. Allez, c'est reparti. Donc on fait gaffe au tuyau, on va récupérer des reliques. Vous voyez quand même, les checkpoints sont... ils sont pas très nombreux et en plus ils sont assez mal placés. Hein. Vous voyez là, je recommence vraiment d'assez loin. Hop. Si tu meurs. Et donc là, ça va être super tendu. Ah ouais, je me casse pas la tête, hein, à ce niveau-là. D'accord. Que vas-tu faire, mon petit Nack? Eh ben, évidemment. Vous voyez, ce genre de scène inutile. À mon avis, c'est pour essayer de mettre un temps de pause entre les différentes scènes d'action. Il doit y avoir certainement un truc là-haut, hein. C'est pas là pour faire joli. Tac. Wazam. Hop, on continue. Alors, cette ville est quand même assez bizarre. Voilà, donc le trésor, il est là. Alors, toi, t'as un bouclier. Donc, vous savez quoi faire, hein. Faut attendre qu'il attaque et après, vous l'attaquez. Donc, le petit trésor est là.
Et on a une relique d'Aigmarine. Ok. Pourquoi pas. Alors c'est juste pour voir un truc. D'accord. Ok, alors. Il manque quoi là? Ok, il manque un truc. Ok, bah il me manque juste un gadget en fait à construire. Tac. Il me manque d'ailleurs une pièce de gadget, donc je pense qu'on l'aura hein, vu les chapitres qui nous restent et les trésors à trouver. Bonjour mes petits. Donc là, n'hésitez pas à utiliser vos pouvoirs. Hein. Franchement, vous en aurez besoin. Tu te tais. Voilà, vous êtes tous morts. Hop, oulala, non, tu ne m'auras pas. Tu te tais. Hop, et on avance. Encore un mec au marteau. Hop. Ouah, faites bien gaffe. Aux flèches. Ah oui, alors. Il y a le truc qui sont en haut, là. Hop. J'aime bien, en fait, Naki. Il se ramène dans la ville et puis il détruit tout quoi. Ah ouais, alors là faites gaffe parce que apparemment il y a. Voilà, il y a un truc qui tire des machins là. Coucou. Ah ouais, j'ai bien aimé la tête du gobelin là. Donc la lave évidemment on va pas dedans parce que ça fait mal. Autant vous servir de vos techniques, hein, parce que sinon ça sert à rien. Hein. Hop. On récupère toujours des reliques, on avance. Putain, j'ai vraiment eu chaud. Non, je regardais juste un truc. Hop. Alors j'ai pas trop compris ce système, parce qu'on est forcément obligé de passer, donc je ne sais pas. Waouh, ça c'était assez beau. Hein. Des reliques. Tac. De toute façon, vous voyez, ma jauge de combo, elle est à 44. C'est-à-dire que je one-shot pratiquement tout le monde, en fait. Alors, là, ça va être un petit peu plus dur, parce qu'on va avoir une vague d'ennemis assez importante. Hop. Vous voyez, là, je one-shot pratiquement tout le monde, là. Ah, putain, voilà. Et là, par contre, ça va plus être le cas. Ouh là là, j'ai eu très très chaud. Et alors là, on va voir un bonhomme, voilà. Donc c'est un gardien, je vous le rappelle, qui est contrôlé par les gobelins. Donc on l'a déjà... Ah oui, non, on l'a. Hop, voilà, il a... Franchement, il est assez facile à tuer. Hop, voilà. Donc en fait, quand il fait ça, faut esquiver et après, vous l'attaquez. Y a rien de bien compliqué. Hein. Normalement, là, je peux monter, voilà. Par contre, j'ai perdu pas mal de vie. Encore ? Hop. Vas-y, viens. Voilà. Là, nous avons des reliques. Des reliques. Hop. Donc là, il y a encore des reliques. Ah oui, alors ça avec les fouets, je les déteste parce qu'ils sont vraiment... ils sont vraiment super chiants. Donc, essayez de les tuer en premier. Donc là, on saute. Encore des reliques.
Bonjour les filles, c'est moi. Donc là on attend. Hop. Je sais pas si on va réussir à sortir. Ah si, ouais, peut-être que là. Tac, bon bah, continue, de toute façon on a que ça à faire. Hein. Faut qu'on sorte de cette grotte gigantesque. Bonjour! Oula! J'ai eu un petit peu chaud. Hop, voilà, donc là je commence vraiment à être assez énorme, hein, assez imposant. Alors, donc on change toujours pas de chapitre. Allez, viens. Hop. Voilà. Encore un! Mais tu n'en as pas eu assez, mon petit. Voilà, en plus, je t'ai one-shot carrément, donc laisse tomber. Donc là, je vais être gigantesque, une cinématique va s'en suivre, et puis après, bah, je vous retrouve pour le prochain chapitre, évidemment. C'est parti. XXL, ça avance le moteur? Ça y est presque. Ça a l'air bon. Prends l'avion, dépêche. Ok, je crois que je connais la suite. C'est ça. Lance-le. Vous êtes sûr de vous? Allez, vas-y! Nous ne sommes plus très loin. On va faire ça doucement cette fois. Compris. Ryder et Lucas sont déjà arrivés aux ruines. Quand on aura fini ici, on ira les rejoindre. Eh, Nak, tu veux bien aller voir si tu peux ouvrir cette porte? Et voilà, et nous arrivons donc au chapitre 9.1, l'escalade du mur, mais ça sera dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, et quant à moi, bah, je vous retrouve pour deux prochaines aventures. Prenez soin de vous, vive les jeux vidéo, et à plus tout le monde. Ciao, ciao.